monsieur qui est à mes côtés, c'est le maire de Saint-Émarsec. Et je crois qu'on peut applaudir très très fort la ville de Saint-Émarsec qui nous accueille ce matin, qui a mis les petits plats dans les grands. Qui rejoint le podium, félicité donc par Ludovic Jolivet, le maire de Quimper, par les demoiselles en costume local, une œuvre de la faïencerie Henriot. Voilà, le vainqueur, il porte les couleurs
de l'équipe Wallonie-Bruxelles, Baptiste Blancard qui était à la lutte avec Samuel Dumoulin. Ça s'est joué dans les derniers mètres. Baptiste, juste un mot. Aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup d'Antoine de Moitié qui nous a quitté accidentellement lors de Gorvevelgem. Et on l'a vu au départ ce matin lorsque André Guillou, le maire de Saint-Arsèque, vous a remis un trophée que votre équipe aujourd'hui avait envie de gagner. Oui, c'est ça, pour nous c'est un coup très spécial parce que deux années passées, c'est Antoine qui a gagné ici. Et je peux donner la victoire à Antoine et à Dame Ingrid aussi. C'est une victoire pour eux. C'est une victoire pour eux. Et Baptiste le disait tout à l'heure en coulisses, j'irai remettre la gerbe donc, sur la tombe Antoine de Moitié, donc, qui était le vainqueur il y a 2 ans. C'est vrai que c'est une journée particulière et on l'a vu d'ailleurs. Place, on va accueillir maintenant le deuxième de l'épreuve et il va nous rejoindre. Il s'agit de Samuel Dumoulin. J'en parlais tout à l'heure, le grand de l'équipe AG2R la mondiale, l'un des plus beaux tempéraments du peloton français, double vainqueur de la Coupe de France, vainqueur d'étape sur les routes du Tour. Je crois qu'on peut l'applaudir plus fort encore, Samuel Dumoulin sur le podium. Il va être félicité par M. Christian Le Billon, adjoint maire de Quimper et maire de Carfantin. Donc voilà, Samuel Dumoulin le regarde et se dit « moi aussi je vais avoir la faïencerie ». Donc voilà, Christian Le Billon, ah, c'est un autre cycliste Le Billon. Hein. Eh oui, on se souvient tous de François Le Billon. Ben oui, et lui aussi, absolument. Alors Samuel, deuxième aujourd'hui, décidément la victoire est proche. Troisième à Paris-Camembert. Quatrième à Paris-Camembert. Troisième à la route à Delhi de Vitré. Deuxième aujourd'hui, la victoire est peut-être pour demain. Ça va être dur. Ça a été très usant aujourd'hui, très difficile, une course qui a mis longtemps à se décanter. Et je pense que ça va peser dans les organismes pour demain, mais bon, on sait jamais. Pourquoi pas? En tous les cas, t'as fait un superbe sprint. On a vu chez Baptiste Blancard pour les réseaux que nous évoquions tout à l'heure, cette formidable envie d'aller gagner. Tu avais la même et ça s'est joué dans les 10 derniers mètres. Ouais, c'est un sprint qui n'a pas été emmené finalement. Il y avait donc l'équipe Wallonie et Cofidis qui se battaient pour prendre la main sur le sprint. Et finalement, les équipiers n'ont pas pu emmener très vite. Et j'aurais préféré, ça aurait été plus simple. Du coup, ça a été un peu tactique avant le dernier virage. Et je me suis faufilé, j'étais dans la roue à Romain Feuillu. Voilà, j'ai eu l'ouverture, j'ai tenté plutôt de me faire enfermer, mais Baptiste il est très fort en ce moment, et voilà. Et Dumoulin est pas mal non plus, hein. Deuxième, troisième, quatrième, il est l'un des meilleurs coureurs français depuis l'ouverture de la saison. Je crois qu'on va l'applaudir encore, Samuel Dumoulin, deuxième de l'épreuve. Troisième, il s'appelle Alexandre Geniez et il fête aujourd'hui son anniversaire. Happy birthday, bon anniversaire pour Alexandre Geniez. Allez, on peut l'applaudir plus fort. C'est 28 aujourd'hui, hein. Voilà, 28 ans aujourd'hui, Alexandre Geniez. Voilà, qui va être félicité par Monsieur Alain Guillou, adjoint maire de Quimper, chargé des sports. Voilà, qui va rejoindre et remettre donc une œuvre de faïencerie en Rio, donc à Alexandre Geniez. Troisième et de dotation de biscuits paniers. Voilà, les biscuits paniers, l'œuvre donc, voilà, la biscuiterie panier, l'assiette, et puis bien évidemment, donc Clarisse Lavanon, notre chanteuse marraine, donc de l'édition 2016, qui félicite le coureur venu de Rodez, Alexandre Geniez, 9e du Tour d'Italie, vainqueur du Trombroléon, 2e à la route du Sud, vainqueur du Tour de l'Ain, et souvenez-vous, reste là Alexandre, l'année dernière le Tour de France, l'étape du l'Alpe d'Huez, gagné par Thibaut Pinot, le travail préparatoire est effectué par Alexandre Geniez. Bravo encore au grand de l'équipe FDJ, les trois Baptiste Blancard, vainqueur, Samuel Dumoulin, 2e, Alexandre Geniez, 3e, Jean-Paul, rapprochez-vous, voilà, Clarisse également, Monsieur Maire, voilà le podium du Tour du Finistère 2016. Allez, tout le monde est en l'air, on applaudit plus fort encore. Voilà pour le podium.